Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Brothers and sisters, let us pray that we shall receive the light of the resurrection. Fratelli e sorelle, vegliamo e preghiamo per accogliere la luce della risurrezione. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Per Gesù il Cristo nostro Signore. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Omega, à lui le temps et l'éternité. À lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Par ses saints plaies, ses plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Christ yesterday, today and forever. Cristo ieri, oggi e sempre. Que la lumière du Christ, ressuscitant
dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Christi. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous puissiez dignement annoncer la grande joie de Pâques. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse le seul Sauveur. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande. Feu de l'amour. Brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils. Et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passe tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Paix sucrée.
Vous pouvez éteindre votre cierge. Maintenant, nous allons nous rappeler l'histoire sainte de l'amour de Dieu. Nous regarderons avec nos yeux et nous méditerons avec notre cœur. Potete spegnere le vostre candele. Annunciamo ora la storia della salvezza. Guardando le immagini, accogliamo in silenzio questo annuncio. Let us now recall the sacred history of God's love for us. We shall see it, and as we listen to his word and meditate on it in our hearts. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont en dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessus du ciel, qu'elles se rassemblent à un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre. Et il appela la masse des eaux, mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir,
Il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons, de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Et il créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons, de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel et à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa. Le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Thank you.
profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Grandi, Signore, le tue opere, tutto hai fatto con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. In deine Werke, mit Weichheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Lobe den Herrn, meine Seele. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto, que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de los guerreros. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás,
poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar. Todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y los hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios huyendo iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco, en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico al Señor. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, car l'Éternel est son amour. Il fit sortir Israël de leur pays, car l'Éternel est son amour. D'une main forte et d'un bras vigoureux, car l'Éternel est son amour. Dios guió por el desierto a su pueblo, porque su amor no tiene fin. Les dio su tierra en heredad, porque su amor no tiene fin. En heredad a Israel es su siervo, y su amor no tiene fin.
divide the Red Sea in two. Great in its long, long without end. Made Israel pass through the midst. Great in its long, long without end. Flung Pharaoh and his foes in the sea. Dank dem Herrn, denn ist gütig. Dein Vermut hält ewiglich. Führte Israel aus der Knechtschaft. Dein Vermut hält ewiglich. Mit starker Hand und erhobenem Arm. Dein Vermut hält ewiglich. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir les merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la main des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de ses enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, all you who are thirsty, come to the water. You who have no money, come receive grain and eat. Come without paying and without cost. Drink wine and milk. Why spend your money for what is not bread? Your wages for what fails to satisfy? Heed me and you shall eat well, and you shall delight in rich fare. Come to me heedfully. Listen that you may have life. I will renew with you the everlasting covenant, the benefits assured to David. As I made him a witness to the peoples, a leader and commander of nations, so shall you summon a nation you knew not, and nations that knew you not shall run to you because of the Lord your God, the Holy One of Israel, who has glorified you. Seek the Lord while he may be found. Call him while he is near. Let the scoundrel forsake his ways and the wicked man his thoughts. Let him turn to the Lord for mercy, to our God who is generous in forgiving. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways, and my thoughts above your thoughts. For just as from the heavens the rain and snow come down, and do not return there till they have watered the earth, making it fertile and fruitful, giving seed to the one who sows and bread to the one who eats, so shall my word be that goes forth from my mouth. My word shall not return to me void, but shall do my will, achieving the end for which I sent it. Thank you.
salvezza, io confiderò, non temerò mai, perché mia forza è mai conto il Signore, ed è stato la mia salvezza. My salvation, I trust, I shall not fear. For the Lord is my strength, my song. He became my Mein Heil, ich verlade mein Hopham, ich rufe hin und heide Fresen. Der Herr ist mein Stückte, der Herr hilft mein Kraft, er tun sich mein Helper und Ritter. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qu'ils accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
peccationem nostram. Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné afin que, renouvelé dans notre corps et dans notre âme, nous soyons tous tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Thank you.
Alléluia. 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 Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Alléluia. 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 Celebrate il Signore perché è buono. Perché eterna è la sua misericordia, lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Santi Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Entrata, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: «Bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornato dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come
un vaneggiamento e non credevano a esse. Pietro, tuttavia, si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Give thanks to the Lord for his good, for his love has no end. Let those who fear the Lord say, his love has no end. Alleluia, alleluia, alleluia. Bring donc and hear what he is nadir, in the Lord his and her barmen. Erhaltet Red Dienerin van de Heer, in de los is zijn erbarmen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 partout dans le monde, en cette nuit, des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, reçoivent le baptême. Et tous, nous redisons notre foi en Jésus mort et ressuscité pour nous. Nous sommes baptisés, plongés dans cette piscine qui est d'abord un tombeau. Nous sommes plongés dans la mort du Christ pour revivre de sa vie éternelle, sa vie divine. Jésus n'est pas un prophète du passé. Il a traversé la mort et vit désormais en Dieu, d'une vie éternellement jaillissante, d'une vie toujours nouvelle. Jésus est le premier homme véritable. Nos ancêtres biologiques nous ont transmis une vie qui débouche sur la mort. Jésus nous fait partager la vie du Fils de Dieu. En cette nuit de Pâques, nous proclamons notre foi en la création d'un monde vrai qui ne périra pas, d'une lumière qui ne s'éteindra pas,
Nous vivons la grâce d'un exode qui nous fait passer de l'esclavage de la peur à la joyeuse liberté des enfants de Dieu. Nous goûtons l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu. Nous jubilons en cette nuit, car elle prépare le jour qui n'aura pas de fin. Notre Dieu a fait miséricorde. Il a vaincu les ténèbres du péché, de la souffrance et de la mort. Il frappe à la porte de nos cœurs. Ici à Lourdes, n'est-ce pas cela qu'il a voulu faire quand Marie s'est adressée à Bernadette? Quand Marie a offert à Bernadette une issue, tandis qu'elle était enfermée au fond d'une impasse. Cette grotte est un trou noir, sans issue. Mais voilà qu'un coup de vent a soufflé et l'Esprit éveille la création nouvelle. C'est Marie qui apparaît. C'est la terre qui répond à son Dieu. Bernadette contemple ce don qui lui est fait. Pèlerin de Lourdes, nous nous offrons nous aussi au don de la vie, de la source qui jaillit plus profonde que la boue, du pardon que le péché n'arrivera pas à effacer. Nous qui sommes de la terre, nous ne comprenons pas que le pardon nous précède, que le ciel nous habite, que nous sommes faits pour lui. En cette nuit, nous réalisons d'où nous venons et quel est ce Dieu qui nous attend. Il nous réveille en cette nuit. Il nous appelle. Pour nous aussi souffle un coup de vent. Ouvrons les yeux. Il éveille une lumière. Il éveille notre être d'éternité. Le pardon qui nous est offert en ce jubilé de la miséricorde nous recrée pour la vie éternelle. Et c'est une mission alors qui nous est confiée, comme aux femmes au tombeau vide, comme à Bernadette à partir de la grotte, la mission de réveiller notre Église et de la mettre en marche de nouveau, la mission de réveiller le monde et de faire de notre terre une création qui, à l'image de Marie, répond à son Dieu, une création qui accueille le souffle et qui vit de sa lumière. En cette nuit, réjouissons-nous. En cette nuit, reconnaissons la lumière. En cette nuit, réjouissons-nous pour le monde qui nous est donné. Nous le voyons si souvent couvert de boue, lacéré par toutes les violences, toutes les horreurs qui peuvent blesser les familles, blesser aussi notre Église. Mais Jésus est ressuscité. Le ciel et la terre sont unis désormais, et le diable ne pourra pas faire. Que nous ne répondions pas. Non. Seigneur, tu nous as créés et en cette nuit tu nous recrées. Nous te faisons confiance. Nous t'offrons notre vie. Et comme la petite Bernadette à la suite de Marie, nous nous laissons consumer dans ton amour. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Christ est ressuscité d'entre les morts. Par sa mort, il a vaincu la mort.
à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Amen. Alléluia. Frères bien-aimés, prions Dieu notre Seigneur de sanctifier cette eau et demandons-lui d'entourer de sa tendresse les catéchumènes qui sont baptisés cette nuit partout dans le monde. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis. Sancte Michael, ora pro nobis. Sancte Angeli Dei, orate pro nobis. Sancte Ioannes Battista, ora pro nobis. Sancte Joseph, ora pro nobis. Sancti Petre Paule, orate pro nobis. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancte Ioannes, ora pro nobis. Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis. Sancte Stefane, ora pro nobis. Sancte Ignazi Antichioene, Sancte Laurenti, ora pro nobis. Sancte Perpetua et Felicitas, ora pro nobis. Sancta Agnes, ora pro nobis. Sancte Gregori, ora pro nobis. Sancte Agustine, Sancte Athanasi, ora pro nobis. Sancte Basili, ora pro nobis. Sancte Martine, ora pro nobis. Sancte Dominice, ora pro nobis. Saint Jean-Marie Vianney, ora pro nobis. Sainte Jeanne d'Arc, ora pro nobis. Sainte Bernadette, ora pro nobis. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, ora pro nobis. Saint Nicolas, San Benedetto, ora pro nobis. Santa Chiara, ora pro nobis. San Francesco d'Assisi, ora pro nobis. Santa Caterina da Siena, ora pro nobis. San Padre Pio, Santiago Apostol, ora pro nobis. San Ignazio de Loyola, ora pro nobis. San Francisco Javier, ora pro nobis. Santa Teresa de Jesús, ora
San Juan de la Cruz. Heilige Hildegard von Bingen, Heilige Gertrud von Hefta, Heilige Elisabeth von Thüringen, Heiliger Niklaus von Flüen, Heiliger Wolfgang. Johannes Bertmans, Heilige Arnoldus Janssen, Heilige Damian Weister, Saint Benoît Cyril et Méthode, patron de l'Europe. Saint martyr du Vietnam et de l'Ouganda. Ora te pro nobis. Omnes sancti et sancte Dei. Ora te pro nobis. Montre-toi favorable. Libera nos Domine. De tout mal et de tout péché. Mort éternelle, libéra nos Domine. Par ton incarnation, libéra nos Domine. Par ta mort et ta résurrection, libéra nos Domine. Par le don de l'Esprit Saint, libéra nos Domine. Sommes pécheurs, te rogamus sanctus, pour qu'il te plaise de faire vivre ce que tu appelles au baptême. Jésus, Fils du Dieu vivant, Sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veillent cette nuit très sainte. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude. Et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes
ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, l'eau sanctifiée, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan qui l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, et à son Fils Jésus-Christ, dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Nous y renonçons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia! Alléluia! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia! 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 Dal cuore di Gesù zampilla l'acqua viva. Alleluia! Alleluia!
da quest'acqua sarà purificato potrà cantare. Alleluia. 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 Manare l'acqua viva del Signor, alleluia, alleluia. Los que se laven en ella vivirán y cantarán, alleluia, 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 alleluia. I saw the living water flowing from Christ's side. Alleluia. Alleluia. All those who wash in this water will be saved, and they will sing. Alleluia. 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 Sah das Wasser, das aus Christi Seite floss. Alleluia. Alleluia. Durch dieses Wasser gereinigt und erlöst, singet dem Herrn. Alleluia. 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 Jesus hat sich het Leben waterstromen. Alleluia. Alleluia. Wenn it water gereinigt wird, soll leben, en er soll sehen. Alleluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. 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 Frères et sœurs, en cette nuit très sainte où nous célébrons le Christ Seigneur et Sauveur, ressuscité d'entre les morts, adressons-lui notre prière pour l'Église et pour le monde. Prions pour les chrétiens persécutés. Prions pour tous les chrétiens persécutés, pour ceux que l'on tue en raison de leur foi et pour ceux qui persécutent ou font mourir nos frères. Seigneur, entends notre prière. Kyrie.
souffre. We pray for all who are suffering in our world today through persecution, domestic violence, abuse, war, or because of their religious beliefs. May the risen Christ, who himself knew suffering and rejection, be their inner strength. Kyrie. Per tutti coloro che in questo giorno sono stati illuminati dalla grazia del battesimo, perché il germe seminato nel loro cuore porti frutti abbondanti di grazia, amore e serenità, preghiamo. Kyrie. Auferstandener Jesus, viele Menschen leben in der Dunkelheit des Krieges, der Hungersnöte und der Gewalt. Auf die Fürsprache Mariens und der heiligen Bernadette leuchte du ihnen auf mit deinem Frieden und deiner Hoffnung. Lasse zum Herrn uns beten. Kyrie. Enfermos, por los que viven solos, por los que se sienten abandonados y marginados y por todos los que sufren por cualquier causa, para que la resurrección del Señor los fortalezca y consuele y los llene de esperanza. Roguemos al Señor. Kyrie. In deze paasnacht denken wij Jezus de Heer, gestorven en verrezen voor deze wereld. Wij bidden dat zijn boodschap van goddelijke liefde alle mensen mag inspireren tot de daden van vrede en eenheid onder de volkeren. Laat ons bidden. Kyrie. Christ ressuscité, par ta mort, tu as détruit la mort et tu nous as donné la vie. En cette nuit de ta résurrection, exauce nos demandes et illumine tous les hommes de la joie du matin de Pâques, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Possiamo adesso spegnere le candele. You may now put out your candles. Nous pouvons maintenant éteindre nos cierges. Thank you.
Letemorine. Exultemus, exultemus et letemorine. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Exultemus et letemorine. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum. Justum est, ecum et salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri. Sed in hoc potissimum nocte gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Qua propter profusis pascalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat. Sed et superne virtutes atque angelice potestates, hymnum gloriae tuae concinunt, sine fine dicentes. Thank you.
Spire Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortusque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec muneraque tibi sacranda de tulimus, et odem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant filii tui, Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Salvator mundi, alleluia, alleluia. Qui per crucem tuam et resurrectionem tuam liberasti nos, alleluia, alleluia. Expectamus adventum tuum, alleluia. Memore sigitur Domine iusdem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesimus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolazione placari, concede ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat manus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaliamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius Ponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum Santa Bernardetta et omnibus santis, quorum intercessione perpetua put te confidimus adiuvari. Et hostia reconciliationis proficiat, quesmus Domine, ad ossios mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fede, in caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Nicolao, cum Episcopali ordine e universo clero,
et omni populo acquisitionis tue, voti suius familie, quam tibi astare voluisti ad esto propitius. Omnes filius tuo ubique dispersos, tibi clemens pater miseratur coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ut fore speramus, ut simul gloria tua perenniter setiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum cum ipso et in ipso. Amen. Est ibi Deo Patre omnipotenti in unitate Spiritus Sancti. Omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, Livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Pace sia. Agnus Dei. Oh,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
jour du vivant pour notre terre. Alléluia, alléluia. Jour du vivant pour notre terre. Alléluia, alléluia. Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière, soleil déchirant la nuit. Alléluia. Giorno di vita per la terra, alleluia, alleluia. Gesù, dono d'amor, splendente di luce, la notte rischiarerà. Lucero radiante que la noche iluminó. Aleluya, 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 aleluya. We see the day for all the nations. Aleluya. The fruit, it ripens so richly from Selah's house past the night. Alleluia, 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 alleluia. Do tak des Herrn für unsere Herren, alleluia, alleluia. Reif so werden, die Sonne zerreißt die Nacht. Alleluia, 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 Alleluia. Dies ist der Tag, die Gott gemacht ist. Alleluia. Der frisch von der Liebe reit in das Licht in Gott. Alleluia, 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 Alleluia. Thank you.
Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen, amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen, amen, alléluia. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen, amen, alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur par des dînes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Signore con ini, grandi prodigi ha compiuto, cantate in tutta la terra.
cantad al Señor pueblos todos, himnos vibrantes de gozo, pues grandes son sus maravillas.
Thank you.